Seriously? Seriously? Pourquoi on l'a fait comme ça alors que les autres personnes nous font en mode Hi, seriously? The Walking Dead. Bah, y a la saison 10 qui va sortir là. C'est 10 saisons? Ouais, c'est la 10ème qui va sortir, mais c'est la dernière saison. Peaky Blinders. Moi, je viens de finir The Politician sur Netflix, que j'ai adoré. Moi, j'ai commencé, j'ai pas encore fini The Politician, et je viens de finir Daybreak sur Netflix, donc on va dire Daybreak. Is this what you were trying to do? Okay, vraiment pas mal. Détective. The Originals. Klaus Michelson me manque. Just maybe Klaus Michelson has finally gone mad. En plus, je me suis fait spoiler alors que c'était une de mes séries préférées. Sur YouTube, tu sais, il y avait les scènes avec les morts de tes personnages préférés. J'ai dit, mais comment ça? Moi, j'ai pas encore vu cette scène. Et du coup, j'ai très mal vécu la mort de Klaus et sa famille. Voilà. Moi, je dirais The Originals. Et en plus, elle était disponible avant sur Netflix, elle l'est plus. Donc, j'attends le retour des droits. Moi, ça doit être. Glee, j'ai grandi avec Glee, ça a fait toute mon éducation et le jour où ça s'est arrêté, une grosse douleur. Glee, c'est la vie. Vampire Diaries, j'avoue. Moi j'ai vu l'autre fois qu'il repassait à la télé à Buffy contre les vampires. Et franchement, je me suis dit, waouh, c'était particulier quand même. C'était... Parce que j'étais fan, mais j'étais fan. C'est plus ma génération parce que je suis plus âgé, moi. Quand ça passait à la télé, j'étais surexcité. C'était le film, le truc du samedi soir, là. J'étais waouh. Qu'est-ce que tu vas dire? Non, je vais pas le dire. Toutes les séries teen, ado, surtout sur Netflix, je les mange. Je les regarde. Toutes. Genre Riverdale. Oui. Ouais, Riverdale, c'est ça, mon Riverdale, Sabrina la sorcière, tout ça. Je mange tout. Je l'avais dit tout à l'heure. Natalie Portman dans Star Wars. Ouais. Monica Bellucci, mais je crois que c'était plus même dans des interviews en fait. C'était. Ouais, je te jure. Monica, si tu nous vois. Et ouais, attends, j'ai un message pour elle. Non, mais pas du tout. Je suis marié. Ouais. J'adorais le comédien dans Texas Walker Ranger. Moi, ça devait être, pour rester dans le thème Glee, ça devait être Naya Rivera qui joue Santana Lopez. Ça, oui, t'étais très Penelope. Ouais, moi, les brunes un peu piquantes. Ah, mais je ne t'imagine. Bah, ça va. Ah, putain. Tarim. Et Daphne Pataka, l'actrice. C'est bon. Moi, j'ai pas forcément de co-star de rêve. Maintenant, il y a des personnes avec qui ça me ferait très plaisir d'être sur le même plateau. Par exemple, Zendaya ou des personnes comme ça, parce qu'en fait, tout simplement, c'est des filles. J'étais chez moi, je regardais ce qu'elles faisaient à l'écran et je voulais faire ça. Et petit à petit, voilà, je commençais à me rapprocher de tout ça. Et c'est un plaisir. Et si un jour, je suis sur le plateau de personnes dont j'ai aimé regarder le travail, et ben, c'est un plaisir. Moi, peut-être Sarah Paulson, pour rester dans le mood AHS. Peaky Blinders, The Originals. American Horror Story. Après Ryan Murphy. Ah ouais, à fond. C'est vrai, je cite que du Ryan Murphy. Ryan Murphy. Je l'ai pas vu, donc c'est un peu peut-être bizarre de dire ça, mais sur le papier, c'est Euphoria. Oh non, Euphoria, je change mes plans. Euphoria. On veut jouer dans Euphoria. Oui, on veut jouer. Contactez-nous à Euphoria. Best série.